Hello tout le monde. Alors, on va faire la vidéo avec Athéna, je crois, aujourd'hui. On fait la vidéo dans mon salon, puisque comme vous expliquez, il y avait des travaux chez moi. Sauf que ça devait durer une semaine, ça en a duré en fait deux, et au final c'est pas bon, ils doivent tout refaire. Donc bref, je suis dans mon salon. Je suis désolée si j'ai une voix de canard et une sale tronche, et voilà, j'ai mis mon gros pull de mamie, puisque je suis malade, mais il fallait quand même que je vous filme cette vidéo pour vous poster quelque chose mercredi. Donc voilà. On a pris du retard sur la vidéo Harry Potter, je m'en excuse parce que c'était la fin pour nous des sessions mariage et autres de fin de saison, donc j'avais beaucoup de boulot, j'ai pas pu trop m'en occuper, mais logiquement j'espère vous la poster pour la semaine prochaine. Voilà, vous la voyez pas, mais petite Athénouche est avec nous. Donc aujourd'hui on parle geekerie. Vous allez voir dans le titre de toute façon. Que vous dire? J'ai pas ouvert, exprès pour vous. Elle attend dans mon salon depuis 3 jours, je crois. Donc on parle de la journal du Geekbox. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu. Ça fait moi depuis le mois de janvier dernier que je suis abonnée. C'était une des premières box, je crois. Donc quel est le principe? C'est le même principe que les box beauté, bien sûr. Sauf que c'est pour les geeks, voilà. Celle-ci, excusez-moi, mais elle mouche, lèche le carton. Donc celle-ci, elle coûte 29,90€ et vous en avez une tous les deux mois. Donc je vous ouvre ça. Petite info au passage pour parler du journal du geek, je pense que vous connaissez tous. Donc ils ont un site internet avec toutes les infos et compagnie. Ils organisent aussi la Geeks Live, pour ceux qui connaissent ou pas. Donc c'est comment découvrir... toutes les nouveautés du moment, niveau geekerie, niveau téléphonie, niveau jeux vidéo, enfin voilà, c'est un mini E3, ce serait un peu prétentieux, non? Bon. En tout cas voilà, cette année ce sera le 14 octobre prochain, au Carreau du Temple si je ne me trompe pas, et donc on a la chance d'avoir été invité avec mon chéri, donc vous vous lâcherez là-bas et je vous ferai sûrement en plus un article pour vous donner toutes les nouveautés. Voilà, j'y arrive. Alors. Voilà. La box se présente comme ça. Voilà. Bonjour Athéna. C'est pas la tienne, c'est pas ta Woof Box, lui, parce qu'Athéna aussi a sa box, qui est une Woof Box. Bon, je crois que sur le début de la vidéo, j'étais pas très nette. Oui, du coup, j'ai changé l'appareil, parce que je fais plus l'appareil de vlog. On a changé un des appareils du boulot. Donc maintenant, je fais avec ça. Alors, journal du Woof Box. Voilà, une petite box. Alors c'est toujours un peu le même principe, ils essayent toujours de vous donner des goodies, des sucreries, des choses comme ça. Donc, voilà, donc cette boîte. Alors déjà, il y a une invitation offerte pour la Geeks Live. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, moi j'ai déjà mes deux passes pour aller à la Geeks Live, donc j'ai une invite en stock si ça vous intéresse, c'est mercredi prochain. Alors ils nous ont donné avec une petite sucette comme ça, Star Wars. Choupa-choup plus surprise, je connais pas du tout. Apparemment dedans il y a une figurine. Non Athéna, c'est pas pour toi. Attendez, je vais essayer d'ouvrir si Athéna ne me la défonce pas avant. Attendez, j'essaie de vous faire ça. Alors. Voilà, ça se présente comme ça. On dirait un Pokéball le truc. C'est bel et bien une choupa-choupe. Hein. Alors, vous ouvrez. Hop là. Comme ça. Une petite capsule. D'accord. Vous avez la choupa au milieu. Et avec une petite surprise. Tout pour ma barre, elle a un storm, c'est un storm qui est très cher dans ce cas-là. Je suis pas convaincue. Hein. Là, pour le coup, on verra. Bref, je referme ma Pokéball. Attendez, parce qu'il y a un mode d'emploi, alors peut-être que. Non, c'est pas un storm parce qu'il y a un storm, il y a une bien meilleure tête que ça. Bref, voilà, ça c'est le petit grignotage qu'il y a toujours, il donne toujours
les bonbons, les petites choses comme ça, mais toujours dans l'esprit d'une fois on avait des espèces de bonbons qui faisaient comme les cristaux de qu'il y a dans non. Comment elle s'appelle la série? Ah, j'ai des trous de mémoire, vous voyez, c'est la crève. Vous savez la série où ils fabriquent des drogues? Enfin, si vous souvenez du nom, mettez-le dans le commentaire. Bref, qu'est-ce qu'on a? Une petite figurine, comme toujours. Je vais vous l'ouvrir. C'est un petit trunk, apparemment. C'est ça. C'est trunk en sang. Hop! Voilà. Là, je vais enlever l'étiquette. Ce sera mieux. Je suis désolée, si je renie, si j'ai une voix catastrophique, je viens à éternuer, je ne sais point. Voilà, donc un petit trunk. Voilà. Que vous dire? Voilà, une figurine basique. C'est pas un truc dont je suis très fan. Les figurines, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas. Avec, nous espérons que cette 8e box vous plaît. Voilà, ils vous disent que voilà, c'est la 8e et qu'on peut tout tweeter, hashtaguer, envoyer, bref, les réseaux sociaux pour nos amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit truc comme ça. Alors, ça a l'air aimanté. On va voir. Je suis désolée, j'ai un bord ma tronche dans la caméra. Ça maquille pas côté, vous devez avoir peur. Bref. Donc, c'est une espèce de Game Boy, comme ça vous pouvez replacer les touches. Ça sent bien la neuf, et vous voyez. Attendez, je récupère mes boutons. Bref, voilà, et le tout est aimanté. Donc, peut-être pour mettre sur le frigo. Personnellement, je vois pas trop l'utilité. Alors, j'ai un peu l'impression que c'est, et vous avez la poisse, que c'est une des boxes les moins bien que j'ai reçu, en tout cas jusqu'à maintenant. Oui, je sais bien, c'est une des boxes que j'ai reçu. Donc, comme très souvent, on a un t-shirt. Vous verrez quand vous vous abonnez à la box, ils vous demandent si vous êtes une femme et si vous êtes un homme ou une femme, et ensuite quelle taille de t-shirt vous voulez. Parce qu'il y a très très souvent, quasiment tout le temps des t-shirts. D'ailleurs, celui-là a l'air moyennement bien, mais voilà, Athéna est d'accord. Mais on a eu la dernière fois. La dernière box, on avait eu une clé USB et on avait eu un t-shirt, vous savez, le t-shirt où ils ont mixé le logo de Starbucks et un Stormtrooper. Je vous dis le t-shirt. Qui intrigue beaucoup à Théma apparemment. Alors, cette fois on a Athéna. Voilà, donc c'est pour Batman, je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Athéna, c'est écrit de Joker, Ra's al Ghul, Two-Face, de Riddler, Bane, de Penguin, Poison Ivy et Superman. Voilà, désolée. Voilà, donc c'est clairement pas vraiment le genre de t-shirt que je mettrais. Mais c'est pas une question de geek ou pas geek, hein, parce que je mets des t-shirts Star Wars, mais voilà, c'est pas un souci. Mais avec que des grosses écritures comme ça, pour dormir, ce sera pas mal. Et il reste une dernière petite chose. Donc déjà, dans toutes les autres boîtes, on avait un magnet Star Wars, à chaque fois un perso différent. Apparemment, ça a l'air d'être fini, puisque la semaine, enfin, il y a 2 mois encore, on en avait un. Alors, ça... Ça se présente comme ça, je ne sais pas encore ce que c'est pour tout vous dire. D'accord, c'est apparemment un portefeuille. Voilà, donc ça c'est le bide de l'année, c'est-à-dire comment vous faire un unboxing et vous... Unboxing? J'y arriverai dans une vidéo. Et vous parlez... de la journal du Geekbox est tombée sur la moins sympa que j'ai eue. Donc c'est en fait un espèce de portefeuille en papier. Je valide pareil que moyennement. Donc voilà, donc c'est un bide total parce que je voulais vous dire justement que la journal du Geekbox était très sympa. Alors encore une fois, je n'ai pas un partenariat, vous le sachiez, je paye ma box depuis...
le début. La seule chose est que j'ai envoyé un mail pour savoir si j'aurais l'autorisation, si j'allais à la X Live, si j'aurais l'autorisation, ils voulaient bien me donner l'autorisation de filmer pour la chaîne. C'est là où ils m'ont donné deux passes pour y aller, sachant que j'en ai déjà une dans la Geekbox. Voilà, donc non, je ne suis pas payée par la marque, hein, pas de souci. Donc d'habitude, la journée du Geekbox, c'est un truc que j'aime bien, avec des goodies assez sympas. Je vous avoue que je suis assez déçue de celle-ci, vraiment. Il n'y a rien de très... Voilà, c'est vraiment pas le top du top. Mais d'habitude, c'est assez convaincant. Alors, j'espère que c'est pas comme une Little Box et que je vais pas me retrouver à vous dire que à la prochaine, j'arrête. Parce que c'est ce qui s'est passé pour My Little Box. On verra, je vous dirai ça. Pour l'instant, je continue à rester abonnée. Pour celles et ceux qui suivent ma chaîne, je vous ai parlé de My Little Box que j'ai arrêté. J'ai arrêté pour commencer la Birchbox. Et sincèrement, vous verrez bientôt la prochaine vidéo. Je suis assez déçue de leur façon de procéder. Vous verrez pourquoi. Un petit coup de gueule à passer. Mais d'abord, il faut que je reçoive... J'attends de recevoir une box pour vous expliquer tout ça. Voilà, je vais vous dire ce que j'en pense clairement. Qu'est-ce qui va arriver d'autre sur ma chaîne? J'ai une vidéo à vous faire avec un partenariat dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est un partenariat pour vous. C'est une marque de parapharmacie qui nous donne un code promo. Voilà, je vais éternuer. Toutes mes excuses. Et aussi, on a un concours qui va bientôt arriver. Voilà, une marque de... Donc c'est pareil, je vous réexpliquerai dans la vidéo. Je viens de découvrir une nouvelle marque, un nouveau site de bougies qui m'intéressait. J'ai passé ma commande et pareil, j'en ai profité pour leur envoyer un petit mail en leur racontant que j'allais sûrement parler d'eux. Donc est-ce que je pouvais avoir des informations sur la marque? C'est comme ça que je procède en général pour ne pas vous dire d'énormes conneries sur la marque. Et du coup, ils m'ont proposé non pas de me payer ma commande, donc j'ai bien payé mes articles, donc je vous dirai vraiment si j'aime ou si je n'aime pas. Mais par contre, ils m'ont proposé d'organiser un concours pour vous et de vous offrir à cette occasion deux bougies qui seront les mêmes que deux que j'ai commandées, que j'ai testées. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Donc à suivre la vidéo sur Harry Potter, le vlog aussi à la Geeks Live, le petit coup de gueule Birchbox dès que j'aurai reçu tout ce qu'il faut. Et voilà, restez connectés, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce que vous avez aimé, pas aimé, le décor, machin, tout ça. Et aussi, pensez bien à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez être sûr de rien louper, notamment le concours. J'espère que là il y en a un qui arrive, donc j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, partager, j'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'on soit plus nombreux pour pouvoir encore vous organiser encore plus de concours et j'espère revenir sans cette crève. Salut les loulous!